Place Clichy, nous ne passons jamais devant la brasserie Weppler. La salle et la terrasse, jour et nuit, étaient occupées par des dizaines de soldats allemands en uniforme, l'établissement ayant été réquisitionné pour la troupe. On ne craignait rien puisque ces hommes n'étaient pas en service. Cependant, juifs et femmes seuls s'exposaient aux quolibets et aux sifflements des dizaines de consommateurs désœuvrés. Je découvre en écrivant le nom Weppler que sans en avoir le moins du monde conscience, je continue à emprunter, place Clichy, le trottoir opposé, quelle que soit ma destination et ma provenance. De même, je ne suis entrée au Weppler qu'une seule fois. Un écrivain américain hébergé à proximité m'y avait donné rendez-vous. Je me souviens très bien avoir songé au téléphone à lui proposer un autre lieu de rencontre, nécessairement plus difficile d'accès pour lui, avant de comprendre tout le ridicule de cette pensée.